une bonne fête de Tabaski. Mais en même temps particulier à ce monsieur, c'est mon chauffeur de tous les temps, c'est un musulman mon ensemble. Voilà. En train de manger nos moutons. Ce monsieur-là, c'est grâce à lui. Je suis constamment à Divo, c'est un musulman. Il a fini sa prière, donc on entend de manger pour nous notre mouton. Voilà, donc c'est la fête chez nous. Voilà, nous on mange le mouton. On l'appelle l'aigle volant. C'est la fête chez nous. Je disais comme ça mon histoire, mon chauffeur, il est musulman. Le voici là. Karamoko, Namori. Namori, on l'appelle l'aigle volant. C'est quelqu'un, vous partez dans un endroit, le lendemain, là, il t'amène devant la porte. Moi-même, on appelle l'aigle volant, là, il repère les trucs. Donc, on l'appelle, tout le monde l'appelle l'aigle volant. L'aigle, quand il vole, là, il repère. Voilà, donc il est musulman. Bon, on vit ensemble. Hein. Voilà. Ma conviction chrétienne, il a sa conviction à lui. Moi, je crois à mon Jésus, il n'y a pas de problème. Ça ne m'empêche pas de vivre avec lui. Il est fidèle dans son travail. Donc on est ensemble. Je ne l'emmène pas. Je préfère vivre avec quelqu'un qui prie Dieu qu'un sorcier. C'est sa fête. Au moins ensemble. Aujourd'hui, c'est Shabbat, on l'entend. Même, c'est le seul jour où il y a moins de viande. Les sorciers ont gâté avec des viandes. J'ai mangé cuisse de ma tante. J'ai mangé langue de mon papa. Ma cousine a mangé ses tripes. Maman met des petites viandes là. Et puis il y a des terres quand on arrive, il y a des viandes, de l'homme, tout ça. Bon. Mais ça va dire là. Ce jour là. Vraiment. Ben n'a pas m'excuser. Mouton n'a qu'à m'excuser. J'ai mangé. Moi, j'étais musulman. Donc, vivre un musulman, ce n'est pas un problème. Lui, je ne l'ai jamais forcé. Voilà l'église. Mais il est fidèle dans son travail. Il se lève matin, demande qu'est-ce qu'on doit faire. Lui et moi, on n'a pas de problème. Voilà. Tu as de céder la mangue, non? Donc, j'ai dit merci à Gosso. Elle est Dosso aussi à Mankono. Ouais. Mon vieux père Dosso de New York. Quand vous voyez les là, vous voyez là, quand ils aiment une personne, tu peux rien comme ça. Hein? Et ça, vous avez le procès. Ça, c'est l'extrémité. C'est-à-dire, quand ils aiment là, même quoi qu'ils soient, puis ils sont avec toi. Donc tous les musulmans de New York, je vous salue les Dosso, mon papa Dosso, que Dieu bénisse. On entend de faire nos choubouya ici, à la Bidjanaise. Aujourd'hui, on est en pleine fête. Lui, là, il est très fidèle. Donc, je voyais lui, enfin, lui, il voyage. Maintenant, quand il dit non, il y a voiture. En Guinée, quand il dit non, il y a voiture. Bon, l'aigle volant, allons-y. Il doit partir mon chauffeur. Ben lui, il me connaît mieux, il connaît mes humeurs. Quand il sort, il connaît. C'est un peu compliqué, mais il me gère bien. Il est un peu compliqué. Sinon, après ça, lui et moi, on descend quelque part, la petite famille, tout le monde ici. On va aller manger quelque part. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la journée des... C'est pas comme les sorcières. Il boit ses beaux comme des gays. Aujourd'hui, là, c'est la fête à la maison. On est en train de se balader. En fait, on est à la maison, on allait payer Choukouya, un port boué de l'abattoir de port boué. Lui et moi, il devait empêcher d'entrer en famille. Bon, j'ai eu un petit repos. Il est resté. Demain, on s'est dit, là, sa famille à Divo. Donc, il faut qu'on fête ensemble. Demain, moi-même, là, quand il est arrivé, là, il est parti chez lui à la maison. Puis sa femme m'a préparé la vieille d'Abassa. Voilà. Il y a des surprises même qui sont dans mon cœur. Voilà.
dans ça on parle pas beaucoup. Mais un chrétien et musulman peuvent vivre ensemble sans parler. Et ça que les gens comprennent ça. La guerre religieuse, on peut pas imposer ça aux gens. Quand quelqu'un croit en Dieu, franchement, il ne peut pas être un djihadiste. Parce que lui, il est musulman. Non, il est bon croyant. Il est musulman. Un bon musulman ne peut pas être djihadiste. Je suis désolé. C'est lui, il vient lui. Hein. Quand il y a quelqu'un de loyal, là, c'est lui. Il ne t'intéresse pas à ma causerie. J'ai déjà pris les chrétiens. Quand il cause là, les chrétiens n'ont pas derrière. Le jeune là-même, il a fait ça aussi. Il dit, mais attends, est-ce, pourquoi tu te mets dans ma causerie? Je t'ai invité dans ma causerie. Lui, les sites. Et l'onction là, ces voitures, ceux-là. L'onction que Dieu leur a donnée là, c'est pour leur voiture. Nous, on n'a pas ça. Nous, c'est jeûne et prière. Voilà. Parlant langue, ça, c'est pour nous. Eux, c'est apprenti, baka, remorque, tu deviens chauffeur. C'est le terminus. Quand tu deviens apprenti, baka, remorque, tu deviens chauffeur, c'est terminus. Donc eux, ils connaissent, ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans. Donc moi, je préfère quelqu'un qui connaît. Que quelqu'un qui va venir se mêler de ma causerie pendant que je parle. Donc lui et moi, on est ensemble. Hein. Ça fait un bon moment qu'on est ensemble, ça fait des années. Hein. Il est mon chauffeur, on est ensemble, on n'a pas de problème. Il est musulman. Mais ça vous dit, en réalité, un chrétien peut vivre avec un musulman sans problème. Donc, quelqu'un qui est loyal, qui est resté fidèle, tout ça. Les gens, ben, non, il est fidèle. Quand il a carême, moi, je prends les sucres, je lui donne. Là, va faire. Il m'a dit ce matin, il va prier à Bobo. Il est parti. Va prier. Je préfère que tu pries, que tu dis non, tu adores fétiche. Tu vas manger. Demain, tu vas me mettre un petit manu noir de Satan. Avec une mangie et persil, oignon, goyo. C'est goyo, non? Goyo, c'est aubergine. Aubergine. Oignon, qu'on appelle djaba. Djaba. Puis tu vas me manger. Donc, tu allais prier. Quand il a fini, il est venu. Je lui ai dit, accompagne-moi à Pobre. On a payé mouton. On a mangé. Moi, j'ai peur de gorger mouton. Mais je gorge poulet. Vous voulez sûrement là, lui et moi on ensemble. Si vous couillez le poussin dans le quartier. Mais mouton, j'ai peur. J'ai peur. Non, moi j'ai trop peur de sang de poulet, bœuf et non. Poulet, je peux mâcher sur le gorge. J'ai peur de mouton. Quand le gorge mouton, j'ai peur. Bœuf, j'ai peur. Mais on allait à Pobre, on a déjà tué, on a mangé, on a fait le choubouya, on a mangé, mais on est ensemble. Voilà, c'est pour dire. Un chrétien musulman peut vivre ensemble. C'est un peu ce message, cette fête de Tabaski. Voilà. C'est des années qu'on vit ensemble. Hein. C'est des années. Hein. Voilà. On a eu des moments de turbulence, on a eu des moments. Mais c'est quelqu'un qui est resté loyal. Comme j'ai dit, il disait, il m'a roulé, conduit, parce qu'il y avait un souci de voiture. J'ai pris sa voiture en location. Qu'il m'a bien conduit, c'est un meilleur. Je ne vous ai pas dit le voler pour le corrompre. Vous ne pouvez pas l'avoir. Mais c'est quelqu'un, même si vous posez 1 million, il va rester bon. Très bien. Ouais. C'est quelqu'un, même si vous posez 1 million, il est très loyal. Donc, c'est par rapport à ça qu'on est resté ensemble. Donc, lui, il vit sa foi musulmane. Il vit, et avec moi, il vit. Sans qu'on ait des bruits entre lui et moi. Pas de problème. Moi, j'ai été musulman. J'étais musulman, je fais la Akba. J'étais musulman et j'ai été appelé parce que j'ai été convaincu que Christ est mon sauveur. C'est moi. Lui, il a son expérience à lui qu'il doit vivre. Mais ce qui me lie à lui, c'est patron et employé. Donc, mais il a sa croyance, ça ne m'empêche pas de respecter sa croyance. Je respecte sa croyance, mais c'est sa fête. Voilà, donc on est ensemble, on mange ensemble. Et c'est ça. Vivre ensemble, ça dit c'est ça un peu, ça va vivre en société. Il faut respecter la liberté de l'autre. Il faut respecter aussi la religion de l'autre. C'est ça un peu, vivre ensemble. Parce que c'est ça la liberté de religion. Il faut respecter. Et ça, quand il n'y a pas d'une liberté de religion quelque part, il y a problème. Et ça, on n'a pas besoin. Même si on dit, ah non, mon Dieu est plus fort que l'autre. Mon Dieu est plus fort que l'autre. Non, mais lui, il a sa religion à lui. On s'assoit. Lui, il me donne des conseils. Vous voyez ce monsieur là.
Il y a des décisions par moi, je murmure. Je suis compliqué souvent. Mais je ne suis pas méchant. Je suis compliqué, mais je ne suis pas méchant. Ouais. Mais par moment, il me donne des conseils. Il me voit. Quand moi, il y a un problème, je peux parler dans la voiture seul. Et puis c'est lui qui m'écoute jusqu'à un moment, il me dit, bon, est-ce que je peux te parler? Je dis oui. Je dis, moi, tu m'excuses. Hein. Je ne m'aime pas. Mais vraiment, voici, voici. Parce que tu n'es pas à l'aise dans ta tête. Nous aussi, on n'est pas à l'aise. C'est comme la tête. On n'est pas aussi à l'aise. Voici, 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 voici. Parce que j'avais besoin d'entendre ça. De quelqu'un. Peut-être que bientôt je vais me marier, Dieu merci. Dieu merci. C'est quand on a une femme juste à côté, celle qui peut donner ce genre de conseils. Dieu merci. Si Dieu nous fait la grâce qu'on rentre dans le mariage, tout cela va se régler. Mais c'est pour cela que vivre seul, ce n'est pas aussi bon. On a besoin de quelqu'un pour nous aider dans les paroles. Donc, il me parle. Puis je l'écoute. Il me parle, je l'écoute, il me parle. Puis je dis, mais attends. Ce petit Allah que va. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la grande famille Warren. Je me nomme Namori Karamoko précisément, bénément pour nous. Ce monsieur, ce grand homme que vous voyez là, on appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. Il ne voulait pas parler, mais il a parlé d'un mot qui m'a franchement touché. Il faut qu'il retienne le truc, il faut qu'il explique quelque chose. Il a fait beaucoup pour moi. Le problème, c'est pas salaire. Quelqu'un peut te payer salaire, même si c'est 300 000. Et puis, il ne te respecte pas. Les 300 000, là, ça ne vaut rien. Mais la personne, même si elle donne 5 000 ou 10 000, le respect, d'abord, c'est quelque chose. Mon boss, il ne connaît pas. Ma famille biologique, mais il ne connaît pas. On va aller un peu vite. Quand il voyage, les cadeaux qu'il m'envoie, bon, c'est moi celui seul. Mais je montre à mes parents, d'abord, quand il va au stade, la fois qu'il est parti au stade, il est au stade, m'envoie des paires de tennis, et il monte, 125 dollars. Ça c'est petit, ça ne m'a pas touché. Même on a voyagé pour aller en Guinée, la paix mobile, aller le tout. Tout ça, ça ne m'a pas dit aussi. C'est grand, mais ça ne m'a pas touché. Ce qui m'a fait pleurer, un décembre, on fait de Noël, m'a appelé, et ah, Kramo, ton fils a quel âge? Il a donné l'âge de mon fils. D'accord, il va l'acheter un vélo. Il m'a donné 40 000 pour aller acheter le vélo de mon fils. Ce jour-là, il a pleuré. Quand je suis arrivé, ma femme m'a demandé, que se passe? Ah, mon patron m'a donné l'argent pour aller acheter le vélo de mon fils. Il a allé acheter le vélo. Mais il me dit, mais tout ce que le monsieur a fait, il connaît que tu es au félin ou bien? Non, il ne sait pas, c'est rien. Du coup, à présent, il ne sait pas. Ouais, je ne sais pas. Mais sauf félin. Non, je suis touché à ce qu'il dit. Des pères de mère. Waouh. Sauf félin, des pères de mère. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais en fait, ma femme m'a demandé, donc tout ce qu'il fait, donc il ne sait pas. Il dit, il ne sait pas. Ouais. Même aujourd'hui, normal, avant, il m'a dit, ah, comme la fête, c'est comme ça, moi, je ne pourrais pas partir. Vendredi. Donc tu as parti en bas, maman. Il dit, ah, le boss n'est pas parti en bas. Même si mes enfants là-bas, il n'est pas parti pour les laisser ici. Comme il y a ma grande sœur à Bobo, il va aller prier à Bobo. Et on va partir ensemble samedi. Il n'y a pas de problème. Je suis allé encore aujourd'hui, ma grande sœur me demande. Mais et ton patron sait que tu es au félin. Il dit, non, il ne sait pas. Mais j'allais garder ça pour un autre jour. Mais c'est dit, ça m'a tellement touché, il faut qu'il explique ça. On m'a beaucoup dit, quand il y a des gens qui m'appellent, mais toi-même, là, tu es devenu chrétien, waouh, le temps, le monsieur fait tant, putain, il m'a ça n'a rien à voir. Je suis musulman, quand je suis musulman, puis je suis petit du là, quand je dis petit du là, musulman pratiquant, il sait. Il est pratiquant, ça. Tu peux être musulman par le nom, parce que tu es du là, tu es musulman, je suis pratiquant, mais ça ne gêne pas. Quand on est dans la voiture, maintenant, il plaît dans sa voiture. Ouais. Il m'a dit, m'empêcher de prier. C'est le travail qui nous lie. Donc, tout ce que vous pouvez dire, qu'Allah donne l'envie à ce monsieur. C'est tout ce qu'il me dit. Le reste, à faire la suite. Waouh, moi, franchement, je suis touché. C'est un message très. Pour moi, c'est un message très. Votre témoin, là, c'est pas encore filmé. Votre témoin, ça vient encore. Moi, c'est un message très fort. J'ai d'abord le vélo que j'ai donné au fils. D'abord, pour un enfant, c'est déjà fort. Et puis, du fait que moi, je ne cherche pas à savoir qui tu es.
Moi, je suis quelqu'un, non, moi, ce que tu es ne m'intéresse pas, c'est ce que tu présentes. Quand c'est bon, je marche avec toi. Et donc, c'est ça qui m'a attiré vers lui. Et puis, bon, c'est ça, son sérieux et sa croyance en Dieu. Voilà. Donc, ceux qui me côtoient, pour ceux qui, peut-être, de Facebook, c'est maintenant qu'ils le voient, mais ceux qui sont dans mon intimité, ceux qui viennent chaque fois en Côte d'Ivoire, savent qui il est. Pour moi, ils savent. Voilà. J'ai chalé le Jules Delon qui m'a dit, mais le monsieur, là, il est très bon parce qu'il m'a accompagné chez moi à l'hôtel. Je lui ai donné 5000 fois, il a refusé de prendre. Parce qu'il a dit, non, le patron m'a dit de te déposer, tout ça. Je lui ai dit, mais toi, tu le découvres, moi, c'est comme ça, il est. Ce monsieur-là, c'est comme ça, il a été toujours avec moi, c'est pour ça que je suis avec lui. Mais il dit les choses qui me touchent personnellement. C'est vrai ce qu'il dit, hein? Ça m'atteint, hein, de prier avec moi. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je vis avec lui et puis c'est maintenant que je constate qu'il est. Il a fini encore moi. Donc on est dans le même camp. Hein? On est dans le même camp, c'est-à-dire on forme. C'est un club des orphelins. Voilà, donc on aura l'occasion de s'entraider pour permettre aux enfants qui sont issus de nous de pouvoir vraiment avoir l'espoir à la vie. Ça, c'est vraiment important. C'est quelqu'un qui est vraiment loyal. Et c'est ça. On ne peut pas changer une religion pas parce qu'on doit monnayer. La religion, c'est une question de condition. Et moi, j'ai vu quelqu'un, c'est un pratiquant. Ce qu'il dit là, c'est pas dans la bouche, il est musulman pratiquant. Quel que soit le niveau d'une personne, elle a besoin d'un respect. C'est-à-dire qu'il faut respecter la religion. Mais le problème des conflits dans le monde, c'est-à-dire le manque de respect de certaines religions, on peut vivre ensemble. Moi, j'ai reçu Christ parce que c'est une conviction personnelle. C'est une conviction que j'ai reçue. Voilà, donc, voilà. C'est une conviction. C'est pas un problème. Voilà, donc, merci, monsieur Kramo. Vraiment, je suis beaucoup touché parce que tu viens de me dire, hein, comme il y a trop de RFI qui nous suit sur l'antenne, en privé, on aura beaucoup de choses à en faire ensemble. Mais déjà, ça m'a beaucoup touché. Les enfants, c'est déjà quelque chose, moi, tu sais très bien ce que je pense pour toi. Je ne dirais pas ça devant l'écran. On est ensemble. Moi, c'est un message très fort parce que je suis en train de faire un direct sur mon Facebook pour dire, toi, tu es musulman, je suis chrétien, on peut vivre ensemble sans problème. Voilà, on n'a pas forcément brutalisé quelqu'un pour dire, ah non, comme tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas être mon chauffeur. Bon, moi, je ne suis pas dans ce genre de trucs. Moi, ça ne m'intéresse pas ce problème. Voilà. Il connaît son métier. C'est comme quelqu'un qui est PDG d'une société, il aimerait que tout le monde soit chrétien. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Tu es PDG d'une société et tu veux que tout le monde soit chrétien. Bon, le musulman, il a son diplôme, il a l'école, il a un gars diplôme en marketing, il peut gérer ton affaire. Et puis toi, tu veux qu'il soit chrétien. Bon, attends. C'est pour le travail, moi, c'est une question de religion. C'est église ou bien? Ta société qui te montre, c'est église. Bon, il a son diplôme à lui, il vient, il travaille. Sa religion. Maintenant, toi, ton comportement, ça peut attirer le musulman peut-être avec Jésus. Ça n'engage qu'une conviction personnelle. Mais affaire de religion, c'est ce qu'il dit aux chrétiens. Écoutez-moi très bien. Jésus même dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Dieu dit, c'est pas lui qui envoie les gens à la chrétienté, c'est lui qui envoie les gens à la chrétienté. Moi, j'ai compris ça. Donc, si j'ai compris ça, c'est pas moi de dire à Namori, il faut devenir forcément chrétien pour être mon chauffeur. C'est pas un passeport pour être, c'est pas un permis de conduire. Vous dites, non, si tu es chrétien, c'est un permis de conduire. Chrétien, là, c'est pas permis de conduire. Il y a des chrétiens qui ont appris ici qui les fautent. Voilà, donc je suis vraiment pour dire aujourd'hui, si je dis bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du monde entier, je le dis parce que d'abord, moi, il y a mes parents qui sont musulmans, d'abord, on montre que je suis musulman, et puis en même temps, il y a beaucoup de proches qui sont musulmans, tels que M. Dosso de New York, un monsieur musulman qu'on appelle Afrique Vision, qui est aussi un bon musulman. Qui m'a suivi dans tout mon programme, c'est à cause de M. Dosso, hein, Enza, c'est à cause de lui que je suis allé à qu'on appelle Union africaine, à la francophonie, c'est à cause de lui que je suis allé à l'ONU, c'est ce monsieur musulman. Pendant que les autres me banalisaient, c'est ce monsieur musulman là, c'est à cause de lui.
Et puis heureusement que lui, il est de Mankono. Ouais. C'est maintenant que tu as révélé ça. Je ne savais pas tout. Lui, il est de Mankono. Oenza Dosso est de Mankono. Donc vous voyez, c'est comme si on se rapprochait quelque part dans quelque chose. Attends. Même les chrétiens là-bas, dans nos milieux chrétiens là-bas, c'est là-bas il y a la sorcellerie. On se bouffe entre nous. Je n'ai jamais vu un musulman qui t'a insulté. Un imam en train d'insulter son camarade imam. Je n'ai jamais vu ça. Ça, je moi, montrez-moi une fois la vidéo. J'ai cherché même sur internet, je n'ai pas encore vu. Mais cherchez-nous mon insulte. Bon, bref, je ne suis pas dans les polémiques de insulter qui, mais pour dire, aujourd'hui c'est la fête de Tabaski. Moi, franchement, je profite pour vous dire merci à ce monsieur qui est un mon chauffeur qui m'est resté très loyal depuis tout le temps. Et ça, c'est vraiment important pour moi, c'est un message très fort. On peut être chrétien et puis vivre avec un musulman. Une musulmane servante, laisse-la prier. Une musulmane, un truc qui est sa secrétaire, mais elle est là pour le travail. Voilà. C'est la loyauté, c'est vraiment important. Tout ça, je suis beaucoup touché parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Parce que il y a des choses que je ne savais pas maintenant. Mais regardez, mais ça a été trop pour moi, je ne peux pas garder tout ça. Non, mais c'est trop fort pour moi aussi parce que c'est maintenant que je découvre. Parce que je n'ai pas demandé tout ça. Mais il a révélé beaucoup de choses, mais gloire à Dieu que j'ai compris. Pourquoi c'est quelqu'un, il a vécu l'école de la vie comme moi. Bon, l'école de la vie. Quand tu vis l'école de la vie, hein, quand tu perds ton père et ta mère, tu as en face de toi une école qu'on appelle l'école de la vie. Où Dieu prend le temps de te former et ça te permet de respecter les gens. Voilà, donc moi j'ai vécu ça. Et je n'en veux pas à quelqu'un, je n'en veux même pas en Dieu. Voilà. Si mes parents ne vivaient pas, mon père, ma mère ne vivaient pas aujourd'hui, peut-être que je n'allais pas être à ce niveau aujourd'hui. Voilà, donc moi ça me permet de comprendre sa situation. Moi je ne demande pas si ton papa vit, ta maman vit. C'est ce qu'on vit ensemble, c'est ce que ton témoignage qui m'intéresse. Moi c'est ça. Avant lui il y avait des chauffeurs, lui-même sait. Avant lui il y avait des chauffeurs, mais on est resté loyal aujourd'hui. Mais moi j'ai été personnellement marqué par ce qu'il lui avait dit. Maman dit, maman me dit, quelqu'un qui a pris l'avion, enlève le tout, c'est pas tu disais, vélo de ton enfant qui t'a dit, ouais, mais puis moi j'ai pas vécu ce qu'il a fait. Le monsieur a fait pour mon enfant, moi il n'y a pas vécu ça. Je n'ai jamais gagné ça. C'est juste j'ai pleuré. Hein? Ouais. Mais allez, avion là, non. Pour vélo, c'est ça m'a dit, bon, avion, ouais. Et mais moi-même, Lazali, je suis touché. Hein? Ouais. Waouh. Franchement, merci beaucoup. Car longue vie, c'est tout ce qu'on peut dire. Il faut respecter. Lui là, il m'a marqué. Je suis quelqu'un, j'ai discuté là. À être convaincu. Et moi, pour me convaincre, c'est difficile. Hein? Faut te laver, Nassigui, tu ne peux pas me prendre. Mais si tu m'as convaincu que je t'appelle, puis je parle à toi, c'est que tu m'as pris. C'est que j'ai vu quelque chose en toi qui est bon. Moi, je n'ai pas les défauts. L'homme a des qualités et des défauts. C'est les qualités là que je regarde. Il a plus de qualités que des défauts. C'est clair. Et on a appelé en plus dans la société. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Dans les partis politiques, les gens ils font des problèmes de d'ethnique. C'est le problème qui est arrivé. Ça, toi, il parle. Oui, vous me regardez parler. L'animal va me regarder. Le problème de Centrafrique, les gens ont un problème d'ethnique. J'ai un problème d'ethnique à Centrafrique. Les musulmans, les chrétiens ne font pas là. Donc, il n'y a pas de stabilité. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont très sensibles à la guerre ethnique et puis religieuse. Bon, si on a dépassé ce stade-là, la guerre ethnique et religieuse, tu vas mettre quoi place. Donc, ça veut dire qu'on peut braver les guerres ethniques et d'abord religieuses. D'abord. Et c'est pour ça qu'il faut croire en Dieu. Quand on croit en Dieu, la guerre ne peut pas nous affronter, toi et moi. Tu peux te tuer au nom d'Allah, c'est dangereux. Moi, j'étais musulman. Donc, quelqu'un qui dit tuer au nom d'Allah, c'est dangereux, n'a jamais été musulman. Lui, il est même, quand je suis, moi je sais, les gens qui les dirigent, lui il est le plus beaucoup fidèle que les gens qui les connaissent dans mon milieu là, lui il est plus fidèle que mon ensemble. Donc c'est pour dire aujourd'hui c'est la fête de Tabaski, c'est ça que je suis en train de parler. Ça fait plus de 3 ans qu'il a un mois, mais moi c'est maintenant que je parle de ça. Je parle de ça parce que je sais, beaucoup de pères en Centrafrique, c'est un pays que j'aime beaucoup, on sera bientôt à Bangui, je serai même avec lui à Bangui. Ça serait un exemple palpable, lui, en le présentant comme quelqu'un qui est avec moi, musulman qu'il est,
mais qui vit avec moi, on n'a pas de problème. Ça sera un exemple. On sera bientôt à Bondji. Ça, je vous révèle ça. Ça, il fait partie des gens qui sont à Bondji avec moi. À Centrafrique, c'est très bientôt. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, autour d'un Shuguya, chez nous, c'est Shuguya, vient de briser tout ça. Aujourd'hui, je me dis, c'est un musulman qui est ici dans ma maison, qui vit avec moi, qui est vraiment loyal. Et puis, moi, je suis quelqu'un, quand je dis j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Je ne suis pas hypocrite. Hein. Lui, mais il sait ça. Je lui ai dit, lui, là, il aime pas. Souvent, excusez-moi, souvent, il m'a dit, lui, là, même là, tu sais, moi-même là. Et puis, moi, il explique pourquoi. Et puis après, lui et moi, on a fini par, il finit par me comprendre. Je lui ai dit, moi, je n'anticipe pas, mais j'anticipe plutôt. Et puis, il regarde ce qu'il a vu, là, on ne peut pas s'entendre. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, là, vos histoires de guerre religieuse, vous mettez en place, là, vous mettez entre les chrétiens et les musulmans, là. Ça ne peut pas marcher. Un vrai musulman ne peut pas faire la guerre à un chrétien. Ça, je vous dis la vérité. Un bon musulman ne peut pas faire la guerre à un chrétien. Si vous voulez critiquer ce que je suis en train de dire, mais celui qui critique ça, c'est un sorcier. Il est diable. Tu ne peux pas croire à Allah, tu ne peux pas croire à Jésus. Fais plus la guerre à un musulman. Parce que c'est l'amour. C'est l'amour qu'on prime tous. Voilà, c'est l'amour. Moi, j'étais d'abord musulman, mais j'étais chrétien. Donc, moi, aujourd'hui, je connais mieux la religion musulmane que n'importe qui. Je connais. Donc, moi, je peux vivre avec un musulman sans problème. Moi, j'ai ma croyance. Il ne peut pas m'empêcher. Moi, je ne peux pas l'empêcher de croire ce qu'il croit. Mais il a son métier. Il a sa croyance en lui. Il vit sa vie. Moi, je l'aide à vivre sa vie. Personnellement, il m'aide aussi à vivre. Après son métier, ma vie. Mais ça vous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'année 2017. C'est un message très fort pour dire les conflits qu'on essaie de faire. Parce qu'on arrive très bientôt à Centrafrique. C'est cela que je fais le message. On arrive à Centrafrique. Franchement, aujourd'hui, il y a des coups de feu en Centrafrique, les gens se battent en Centrafrique, il y a des coups de feu, s'il vous plaît, cette histoire où 18h, tout le monde doit rentrer chez eux à la maison. Aujourd'hui même, quand on soit les marchés, ça partit de 16h, 17h, et puis après ça, on rentre chez nous. Il faut arrêter tout ça. On peut être musulman et puis vivre avec un chrétien. Voilà, donc c'est clair, quoi. Voilà, donc c'est pas une fin en soi, tout ça. Lui, mais il y a des choses qui m'enseignent. Il est plus karaté, il est plus temps. Il a un tempérament doux par rapport à beaucoup de gens. Voilà, donc c'est pour dire, on est ensemble, bonne fête à vous. C'est pas mauvais de dire bonne fête aux musulmans. C'est pas un péché. Voilà, c'est une manière de savoir vivre en société. Faut savoir vivre en société. Voilà, faut savoir vivre en société. Le savoir vivre en société, c'est le respect d'autrui. Voilà, le savoir vivre en droit en société, faut respecter le droit de l'autre. Voilà, sa liberté, son tout ça. Le droit de vie de l'autre, c'est ça. Parce que quand tu n'arrives pas à respecter l'autre, il va y avoir toujours des crashs. Donc on est ensemble. Et puis, bon, on est ensemble. Hein. Le monsieur qui a...